Jeff s'est installé dans le bassin amazonien du Brésil pour chercher de l'or. Il engage des habitants locaux pour ensuite les maltraiter et les payer une misère. Quand il fait trop chaud, Jeff pique une tête pour se rafraîchir, ce qui lui donne souvent envie d'uriner. Bon sang ! C'est un candiru ! Monsieur Couzeau vient de faire connaissance avec un candiru. Le candiru est un poisson dont le diamètre équivaut à celui d'un crayon. Il est attiré par l'urine et les excréments. Il remonte le flux et vient se loger dans l'urètre où il déploie ses pics afin de s'accrocher. Il est muni d'un triple crochet très aiguisé. C'est un très vilain poisson. Tandis que les nageoires pectorales du candiru s'enfoncent dans son urètre, la douleur de Jeff devient absolument insoutenable. Deux choix s'offrent à lui. Laisser le parasite en place et risquer l'amputation ou l'extraire en lacérant l'intérieur de son membre. Jeff décide de jouer les courageux et tente le tout pour le tout. Quand votre pénis en lambeaux n'est que le cadet de vos soucis, vous réalisez que vous auriez mieux fait de rester au lit. À l'aide ! À moi ! Le sang qui s'écoule du sexe de Jeff attire un banc de piranhas voraces. Ils se mettent à le dévorer vif.